Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode. On est sur Man Eater, le jeu où nous jouons un requin mangeur d'hommes. Et on est en quête probablement d'un alligator. Tout cas d'une cible sur le bon coin. Pas pour une arnaque, hein, pour le dévorer tout simplement. J'ai déjà visité la grotte ici. Once more, the shark turns back to this place of centered calm. Bon, j'ai un peu dépensé tous mes minéraux. Alors attendez, sonar avancé, vie et digestion des protéines, j'ai tout. Lui, il m'affiche pas l'amélioration. Il y en a plus. Peut-être fini. Palier 5, palier 4. Bah, ça m'étonnerait pas que ce soit palier 5 la fin. Ok. C'est un alligator. Pas le croquer, mais j'arrive à faire beaucoup de dégâts quand même. Passer le niveau 10. Je préfère voir ce qu'il fait. J'ai l'impression que je l'ai immobilisé avec mes dents électriques. Croquer. C'était un peu facile, à vrai dire. Oui. Et bien sûr. J'ai l'impression qu'on a surtout des alligators. Soit c'est des gros poissons, soit c'est des gros alligators. Tantôt il y a des chasseurs sur des chasseurs spéciaux. Ah, faut que je visite une grotte pour monter de niveau. Le pauvre, il a pas le temps de faire grand chose. Au moment il m'en met une claque et là j'arrive à le recombo un moment. On risque de prendre un peu cher. On va croquer un petit truc. C'est bon. Alors on retourne à la grotte en passant par le lieu non découvert. Très bien. Ah, j'ai même bien dépassé le niveau 10 maintenant. Je suis adolescent actuellement ou je vais être adolescent? Je crois que je suis déjà adolescent. J'étais enfant, je suis passé adolescent. Ou j'étais bébé et j'étais passé enfant. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ici?
Je sais pas. On va juste aller à la grotte et on verra plus tard. The shark is now an adult and she should probably spend less, save more and start researching indexed mutual funds. Ok, bon émergent, bon aérien, capacité pulmonaire. J'ai pas débloqué de nouveaux trucs. Mais ça me permet d'ouvrir les grilles adultes. Et ça, c'est déjà chouette. Et de sauter plus haut. Ah, je me demande si c'est pas un autocollant. Oh! Il est tellement haut. Je vois même pas comment c'est possible d'aller le chercher, mais bon. Alors. Allons voir ce dépôt de nutriments. Maintenant les machines tankées. C'est vrai que j'arrive à les saisir, ils sont un peu insaisissables. Et je one-shot les poissons, ça. Ah, même les trucs niveau 2. Croc, croc, c'est fini. The appetite of this shark is nearly insatiable. Alors j'ai une grille. Maintenant que je suis adulte, je pense que je peux l'ouvrir. Oh mince, ancien. Je suis pas encore un vieux. J'ai des trucs à faire dans la zone. Ok, la grille ancienne. Ah là, c'est une grille adulte. Terriblement efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien du tout. Peut-être en souterrain. J'ai déjà su ouvrir la grille. Je pense que ça nous mène dans la bonne direction. Ça, on peut monter ou pas? Bon, c'est histoire de faire des sources de lumière, mais... C'est que tous ces alligators. Qu'est-ce que vous faites si profond? Vous n'aimez pas les bords de l'eau, vous? Aïe, sale coup. Mais je croque fort maintenant. Ah, faut que je croque des mérous. C'est un seul. Aïe. Mother Nature is very strategic with her apex predators. Ah, j'ai l'impression que je l'ai figé lui.
phoque. Donc apparemment. Muscle contractions produce surges of electrical activity imperceptible to humans, but not to a shark. Mero Mafia, c'est bon. Coffre. This mineral supplement wouldn't be necessary if this shark ate a more nutritious, well-balanced diet. Y a un petit qui veut faire le malin. J'ai l'impression. Un barracuda, deux barracuda. Voilà, niveau 11. On revient, petit barracuda. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, j'ai un dépôt, mais je pense qu'il faut que je passe par là plutôt. Beaucoup d'humains par là. C'est quoi la distance? Une zone où la distance est courte? Danger, c'est moi le danger, oui. Alors, est-ce qu'il va falloir être ancien ou pas? J'espère pas. Shark's propensity to clear the ocean of its assorted detritus is one of their most valuable functions. En fait, faut secouer large. Je pensais qu'il fallait secouer vite. Mais j'ai l'impression que c'est plus important de secouer large que de se secouer vite. Allez, attrape-le. Hop, c'est bon. Je sais pas pourquoi il y a autant de déchets qui volent. Ils devraient soit se poser au fond de l'eau, soit remonter. Bon, maintenant j'ai foutu la pagaille, donc c'est normal, mais quand j'arrive, ça devrait être relativement bien tassé. Surtout qu'on est super proche de la surface. Alors, je pense que ça passe. Allez, plonge. Plonge. Plonge, plonge. Hop. Hop, ça passe. Je suis déjà passé par là. Enfin, il y a un nuage de post-it, c'est un peu étrange, mais bon. Partie des nombreux réseaux dans lesquels je me suis baladé. Ouais, ça m'étonnerait pas. J'aimerais bien aller à la zone suivante maintenant que je suis adulte.
Ah, c'est éblouissant. Est-ce qu'on peut passer à la zone suivante? Ça a l'air. Pas une, très, une bordure très haute. Hop, nous y voilà. Macro Roi. Golden Shores was built as vacation residences for wealthy out-of-towners, with spectacular ocean views, private beach access, and a gate to keep out the locals. C'est impressionnant ce qu'on voit bien sous l'eau dans cette zone-là. Il y a une bordure pour garder l'eau polluée à distance, j'ai l'impression. Ouais, toujours plein de déchets dans l'eau, mais... mais elle est beaucoup moins sale quand même. Je vois super loin avec mon sonar maintenant. Macro Roi Albinos. Croquer, croquer. Un coffre. Voyons combien il nous rapporte dans cette zone. Anyone who has delved into the stomach contents of a shark is acutely aware that they'll eat just about anything. Je sais pas combien ça m'a rapporté, il y a eu un message et j'ai pas eu les bonus de points, j'ai l'impression. Ah, Macro Roi, c'est pas un poisson agressif, mais il rapporte quand même des points. Qu'est-ce que c'est ça? Mako, on dirait un petit requin. Ça a moins de vie que les alligators, hein. Même s'il est plus agile. J'ai l'impression qu'il a presque plus rien. Hop. Allons voir par ici. C'est une grotte. Rivage doré. Some sharks are scavengers, indiscriminately consuming anything that's vaguely edible. Des cristaux sous l'eau ou des plantes. Encore des petits machines toncées. Stonké, je sais pas prononcer. Ah, il y a le coffre. Ah, ça rapporte 360. Des grottes naturelles et des galeries pas naturelles. Oh! Plongeur, chasseur. Tu serais un simple plongeur, tu serais tranquille, mais chasseur. Je deviens une menace. Bon, ils peuvent pas savoir que j'ai bouffé quelqu'un. Aussi loin sous l'eau quand même. Ça rapporte quasiment rien les poissons. Il rapporte 48. Ah mais il m'a rapporté des jetons verts l'autre. Ça c'est plutôt rare. Macro. On va une nouvelle zone là. Toujours à peu près au même endroit. Ok.
fini? Non, pas tout à fait. Ah ouais, alors là je l'ai découpé en morceaux. Trois morsures d'affilée. Est-ce qu'il est placé mon point? Pas tout à fait là où je voudrais. Par contre, on pourrait aller par là, par exemple. Oh, ça c'est chic comme endroit. Haha. vu la hauteur, on repassera. Pardon, je suis désolé, je vous embête. Oh. Golf ball diving is an exciting and growing field where you can risk alligators and venomous snakes for 7 to 10 cents per ball. C'est des balles de golf ça? Oh. Je sais pas où est le trou. Il y a une colline, je pensais pour ça que tous les points de balles de golf sont par là. Alors, un petit panneau. Alors, je suis pas sorti comme prévu. Allez, croque-le. Hockey sticks are still legal according to Baton Tordu course rules. But not for long, if membership director Doug Thompson has anything to say about it. Un coffre. J'ai l'impression qu'il faut que je fouille chacun des lacs. Ils ont tous un truc. Tant que j'embête pas les golfeurs, j'ai pas de chasseur. The sea wolf remains acutely aware of anything that might constitute food. Hop. Y'a un lac là? Yep. Not really a gourmand. The bull shark will eat just about anything. Bon, j'ai peut-être croqué une dame sur le passage. Somebody's drinking team has a drowning problem. C'est limite plus difficile d'attraper les barracuda. Je me dis que j'aurais peut-être mangé plus de nako et moins de barracuda. Il file vite quand même les nako. Alors, j'ai oublié un point de golf ici, un coffre à côté. Alors, on va faire une pause par ce point-là. Alors, on a un autocollant. Une plaque d'immatriculation plutôt. Ils ont des super fonds marins, les riches. Je me demande si c'est pas déjà une zone où je suis passé. Je vois pas grand chose au fond.
Ça me laisse à penser que oui. Ah. Qu'est-ce qui te prend d'être plongeur chasseur toi aussi? Tu veux tuer des requins? Les requins ils sont pas d'accord. Il y a l'air d'y avoir un sacré réseau. Du coup je me suis éloigné de mon coffre. Je sais pas pourquoi il crie. Pas comme si les requins attaquaient les humains. Ah si si, dans ce jeu c'est vrai, oui. Bon, ils ont raison de fuir. The bull shark is able to attain larger maximal sizes through selective feeding. Je peux faire des pirouettes impressionnantes maintenant. Sharks are responsible for just 3% of hunter deaths. Drugs, alcohol, and poor firearm handling account for the rest. Immediately to Golden Shores. Shark situation, let's move. Let's really get a vision test. I just know she's close. Je sais pas comment ils arrivent à deviner que je suis une requine. Enfin, une femelle requin. Quand je tue des plongeurs sous-marins ou même des gens au bord de la plage. Humans' attention spans are short. We've already forgotten about the shark and her many crimes, so thus ends the bounty. Alors, on va aller voir du côté du point que j'ai positionné. Qui est là-bas? Ça passe par là. Pas sûr. Mais on peut tenter. Oh, avec les sauts que je fais. Ça passe, c'est même plutôt pas mal. J'ai chopé un autocollant sur la route. Et il y a d'autres choses. Incluant le coffre. This instantized protein makes a great between meal supplement, giving the shark the energy she needs to put on serious mass. The solitary hunter stumbles upon another source of nourishment. A shark is never one to pass up a fat fiesta. J'ai pas eu beaucoup pour l'instant des points de repère comme ça. Si, il y en avait un dans un lac. Consistently the most difficult hole on the course, many golfers struggle with this par 7 humdinger. J'ai bien à croire qu'il est difficile à atteindre celui-là. Tu vas avoir tous les dépôts de nutriments en un instant en fait. On va avancer par là. C'est pratique ces petites îles, l'eau où on voit bien. Thank you.
natural lateral movement of the shark's head allows her to more precisely locate potential prey. J'ai mangé, d'accord. Ouais. J'ai un doute. Alors, une porte. Coffre. This shark understands that she needs to eat essential minerals to stay healthy and grow. Marche, tape pas dans la bonne direction. C'est mieux. Un autocollant. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Pas sûr d'avoir le pouvoir pour sauter aussi haut. Mais je peux tenter depuis le lac, probablement. Oh! Si, si, je peux. De saut incroyable. Ça se trouve je peux passer au dessus de la grille que j'avais vu tout à l'heure. Pardon, je peux pas particulièrement vous manger. Ça me rapporte un macro roi 67. D'ailleurs, si ça vaut la peine de se battre contre des barracuda. ...270. Ouais, quand même. C'est bien. Sinon, ça aurait été un peu dommage pour moi. Je me demande si je peux pas passer là. Vers une nouvelle zone. Upon using this medication, if you experience priapism, do not attempt to improvise your own surgical shot. Un truc qui m'a tapé là. C'est bien ça. Le maco, c'est le bon moment. Hein. Enfin, que je suis le genre de poisson que tu pourrais manger. C'est une erreur de taille, non? Alors. Où est-ce qu'il est mon point? Ah mais je suis déjà de l'autre côté. Ah non, oui, enfin j'ai traversé un petit bout de terre mais il me reste le gros du travail à faire. C'est-à-dire... Je sais pas si ça peut passer. Ah mais en fait là... Hop. Là théoriquement il y a une zone... assez facile. Mince, parce que je croque et il croque vers le bas. White beaches fenced off for the sole enjoyment of the ultra rich, mega rich and super rich. Les riches, super riches, méga riches, ultra riches. Thanks to powerful risk assessment software, we now know that this was a wildly idiotic place to build vacation homes. Local resorts have responded to sea level rise by importing 285,000 tons of sand and counting.
J'espère qu'il n'y a pas de barrière invisible. Sinon, c'est vraiment pas cool pour moi. Qui me bat comme un fou. Ah, mais le bateau, il peut peut-être m'aider. J'ai l'impression qu'il y a quand même une barrière invisible. Hein. Ça, c'est terriblement frustrant dans les jeux. Alors, ce que je pourrais faire, c'est monter là. Est-ce que vous voulez pas approcher votre bateau, vous? Oh my gosh! Oh mon dieu! Ah, il y a un signal pour ouvrir la porte, j'ai l'impression. J'aimerais monter sur le bateau en fait. Pas l'air de marcher. Il fait nuit tout d'un coup. Ah, donc il y a un truc à croquer là-haut. Je sais pas si ça se fait avant d'être ancien ce genre de show ou pas. En tout cas, eux ils sont très bien placés pour m'aider. Fishing boats are designed to catch a variety of fish, or for brother-in-law Randy to drink a case of Coors Light and start a fist fight with a fishing guy. There would have been more protests surrounding Prosperity Sands were not the public already so numbed about ecological concerns in general. J'ai l'impression que je peux faire deux doubles sauts, tout à fait. Enfin, deuxième saut supplémentaire. Donc théoriquement, je suis censé pouvoir monter et ensuite. Ah, et toucher le bord ne m'aide pas. Bon. Ouais, la barrière est mal foutue. Oh mon dieu. Vous avez vu ça? J'ai juste croqué en l'air un nombre de fois incroyable et c'est passé. Bon, on m'attend de l'autre côté de la grille, donc je me défends. Après, je tenterai d'ouvrir la porte. J'ai l'impression que ça me fait un saut incroyable du coup. Alors à condition que je puisse croquer dans la bonne direction par contre. Dévoré. J'ai presque l'impression qu'il fait un bruit de chien. Il est vif par moment le Mako. Et à d'autres moments je le dévore. Je veux dire, je suis assez vif aussi. Oh, ok. Donc l'idée c'est. Je sais pas exactement comment j'ai fait. Je sais pas si je vais pouvoir repasser en fait. Ah mais je peux passer de grotte en grotte, c'est vrai. Donc il suffit que je trouve la grotte. Pourquoi il repart en plongeant? C'est parce qu'il veut aller croquer un truc. On va croquer tout ce qu'on peut. Et retenter le coup.
l'impression qu'il veut aller croquer par là, moi. Alors qu'objectivement, il n'y a pas grand chose à aller croquer, mais bon. Ou alors c'est juste parce que je suis déséquilibré. Allez. Parfois ça fait voler, mais truc de dingue. Allez, croc croc croc. Saute saute saute, croc croc croc. J'ai l'impression de tenter quand même de faire glitcher le jeu. Pas dans la bonne direction aussi. Et si je tente avec des coups de queue, c'est pas terriblement plus efficace. Allez, grimpe grimpe. Ah. Peut-être que si je le fais à un endroit où il n'y a pas de barrière, ça passe du premier coup. Yeah. Ah. Coup de queue. Oh mince. Bon, j'allais manquer d'oxygène. Je l'ai fait une fois, je peux le refaire normalement. Oh, je l'ai loupé là. Sérieux. Alors, ta-ta-ta-ta-ta. Alors, faut peut-être que je fasse un peu plus dans l'ordre. Premier saut, 1, 2, croc, croc. Mais il y a un moment où je lâche le rivage et c'est fini. C'était pas ce que je voulais faire, mais... Catastrophic risk scenarios wasn't really considered when developers built a golf course in a flood zone. Ah bon sang. Oh là là. Croc croc. Je suis dessus là, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir moi, donc on va juste continuer. Dans cette nouvelle zone. Disque portugais. L'eau est tellement peu polluée qu'on a des poissons un peu spéciaux. Ah, requis ancien. Pulling off a successful casino heist is made even harder when you drive off the road into the ocean and drown. Ah bah j'ai trouvé la grotte. Ah, y a un aco qui m'embête. Je commence par lui croquer les extrémités du corps et après je le dévore tout entier. The shark returns to the grotto to focus on personal transformation. Ah, j'ai pas mal de matériaux.
Hop. Il me faudrait des matériaux bleus dont je n'ai plus du tout. On va améliorer nos dents électriques. Oh, des grosses tortues. Maï. C'est joli comme zone. Alors, on a bien dépassé le temps. On va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans un suivant.